Born to be wild. Hello, hello, chère vadrouilleuse, comment vas-tu? Aujourd'hui, la vidéo va te présenter un peu comment je prépare Berlioz lorsque je démarre ou lorsque je pars quelque part. Pour partir, règle numéro 1, il faut que tout soit fixé dans le camion. C'est ainsi que je vais fixer mon bureau avec tout simplement des tendeurs pour que le bureau ne s'ouvre pas lorsque je roule. Voilà, là comme ça, il est bien fixé. Ensuite, j'aime beaucoup les bougies, donc je vais rassembler toutes les bougies et je vais les mettre dans un panier. Surtout que maintenant, je n'ai pas d'électricité, donc je dois vraiment m'éclairer avec les bougies. Les paniers que je range au-dessus, là, dans la soute à bagages. Ensuite, je vais aller là où il y a le gaz, pour l'éteindre, évidemment. Là, il est en position éteinte. Puis je vais aller dans l'autre soute et prendre un sac dans lequel je vais mettre tout le bazar que je n'ai pas eu l'occasion de laver. Comme là c'était pour rentrer chez moi, il n'y avait pas de souci. Pour avoir un plan de travail propre et pouvoir le fermer correctement par la suite. Et puis maintenant, je rassemble les affaires de Polly. Et je mets tout dans le sac. Et je range tout ce qui peut voler, tout ce qui est en vrac, dans la cage de Polly, qui peut se fermer grâce à une petite porte. Ainsi, j'ai un évier rangé et un plan de travail sur lequel je peux fermer en fait. Et puis je m'assure de fixer bien le panier là qui est juste là sur le côté. Et comme ça mon plan de travail peut se fermer. Ensuite je ferme les armoires avec leurs boutons poussoirs ou autres. Je ferme le frigo, ça je dois avouer que j'oublie souvent de le fermer et du coup je dois m'arrêter. Parce que sinon le frigo s'ouvre et c'est pas top top lorsqu'on roule. Et ensuite là pour le moment c'est un système D pour que le tiroir ne s'ouvre pas lorsque je roule. Parce que le système à poussoir ne fonctionne pas. Voilà, voilou. Et là je te fais ma tête de je vais partir et je ne veux pas. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo.